Meuf, tu es prête? J'espère que tu vas pas au travail avec ce rouge à lèvres. Pourquoi? Parce que mon boss pourrait se plaindre. La couleur est trop vive. Je ne comprends pas du tout. Ton patron doit nous dire à quoi nous devons ressembler. Oui. Les filles de mon département ont très peur de Richard Calou. Il est trop strict. De toute façon, comment tu me trouves? Simple et sexy. Merci. Ça, c'est du n'importe quoi. Joséphine, t'as beau? Oh, oui. D'accord, vous pouvez y entrer. S'ils ne veulent embaucher personne, pourquoi est-ce qu'ils me perdent le temps? Je ne vais pas laisser mon CV ici. Désolée pour ça. Monsieur, je peux continuer? Oui, continuez. Madame Idara? Ok, s'il vous plaît, vous pouvez entrer. Bonjour, monsieur. Bonjour. Non. Je m'appelle Idira Edith Thompson. Avez-vous déjà travaillé en tant qu'assistante auparavant? Non, monsieur. Alors, comment est-ce que vous connaîtrez la nature de ce travail? Je compte faire une formation intensive. J'ai eu à lire sur les... Il ne s'agit pas de ce que vous avez lu à l'école. Voilà mon CV, monsieur. Je ne suis intéressé ni par votre CV, ni par vos références. Ce que je veux, c'est l'intelligence, supériorité, compétence. Quelqu'un qui règle les problèmes, un arrangeur. Quelqu'un qui sait lire entre les lignes, barrer les T, mettre les points sur les I. J'ai travaillé avec plusieurs messieurs et mesdames. La plupart d'entre eux prétendent être diplômés des plus grandes universités avec de bonnes mentions. Et pourtant, aucun d'entre eux n'a été capable de m'offrir ce que je veux. Absolument aucun d'entre eux. Alors dites-moi, si on vous avait embauché, que comptez-vous apporter sur cette table, hormis... vos diplômes. S'il vous plaît, prenez place. Décrivez qui vous êtes en trois mots. Intelligente, je m'exprime bien, proactive.
Monsieur Fayence vous fera faire le tour des lieux. Vous serez formé pendant 2 semaines. Et ensuite, vous pourrez commencer. Merci, monsieur. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Remerciez-vous vous-même. Maintenant, allez commencer. De lundi à samedi, vous devez être au bureau avant 7h30. Il travaille les samedis. Bien sûr, même les fériés. C'est une entreprise privée et pas celui du gouvernement. Vous devez être au bureau avant 7h30. Ça, c'est parce que vous devez lui faire du café chaque matin. Et il a d'autres choses dans son frigo qu'il prend. Qu'en est-il du thé ? Non, juste du café. Juste du café. Meuf, je n'arrive pas à croire que tu as eu le travail. Quelle question t'a-t-il posé pour que tu réussisses ? Je suis encore sous le choc. C'était comme si j'étais assise devant le trône d'un dieu. Copine, mon problème actuellement, c'est que la formation est trop intense. Pourquoi est-ce que je dois subir une telle formation juste pour être une assistante? Attends jusqu'à ce que tu commences à travailler avec le directeur. Alors tu sauras pourquoi 6 personnes ont été virées en 3 mois seulement. C'est un perfectionniste. Tu sais, un travail comme le tien ici à Abuja est considéré comme de l'or. Les hommes et les femmes sont là d'ailleurs pour chercher de telles opportunités. Monsieur Fayoussé a dit que mon salaire sera de 250 000 naira. Et demain, je verrai mes appartements à Baroua. Waouh! Regardez cette grande fille. Ma petite, laisse-moi tranquille. Hein? Mmh? Merci infiniment. C'est rien, tu es mon amie. Si je ne t'avais pas branchée, qui d'autre le ferait-je? Ma petite, top là, ma petite a du réseau. Merci. Qui as-tu à te rejoindre, Seigneur? Je m'en vais à l'intérieur. Ah. D'accord, à tout à l'heure. D'accord. Bonjour, monsieur. À quelle heure es-tu censé commencer le travail tous les jours? 7h30, monsieur. Et quelle heure est-il maintenant? minutes, monsieur. Je suis arrivé au bureau avant toi. Mon café n'est pas prêt. Mon agenda de la journée n'est pas encore prêt. En fait, tu m'as fait comprendre que tu es habile et intelligente. Mais malheureusement, je ne vois qu'en signe une habileté et d'intelligence. Et tu dois savoir que ce n'est pas avec ça que j'aimerais travailler. Monsieur... Je suis en train de parler. Est-ce que Monsieur Fayoz a partagé avec toi le manuel de la procédure à suivre? Oui, monsieur. Alors étudie-le. Je ne suis pas connu pour accepter les échecs. Je suis vraiment désolée d'être venue en retard au travail, monsieur. En fait, je me suis réveillée tôt. Je ne suis pas également connu pour accepter les excuses. À vrai dire, je les déteste. Maintenant, appelle-moi Fayoz. Oui, monsieur. Monsieur Fayoz, je n'ai pas de raison pour mettre l'œil sur ma nouvelle assistante, au moins jusqu'à ce qu'elle soit proprement formée pendant les 4 derniers jours. Tout de suite, monsieur. Très bien. Il ne mange pas du poisson.
Il ne mange pas du bœuf. Ouais, parfois il mange du poulet. Mais c'est quoi ce genre d'être humain? Il est comme ça parce qu'il est sain. Ma petite, je suis fatiguée. Fatiguée? Tu n'as même pas encore commencé à travailler et tu dis que t'es fatiguée? Je suis fatiguée. Je suis fatiguée d'être avec un homme qui ne mange pas de la nourriture qui lui donnera de la force. Et pourtant, il est aussi insensible que quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. T'es pas sérieuse parce que tu n'as que 2 jours dans la compagnie et tu te plains déjà? Tu n'as même pas encore vu le vrai visage du directeur. Bref, quand as-tu dit qu'on ira encore en boîte? Boîte de nuit, le week-end. Je travaille les samedis et dimanches, bien que mon emploi du temps dit demi-journée. Demi-journée? Alors on peut toujours sortir. Ma petite, je te jure que je suis fatiguée. C'est quoi cette merde? Du café. Oui, je sais que c'est du café, mais qu'est-ce que tu as mis là-dedans? C'est du café noir, monsieur. J'ai ajouté du sucre dedans parce que sans sucre, c'est en fait amer et c'est pas bon du tout. Idara, ne sais-tu pas que tu dois avoir ma permission avant d'ajouter du sucre dans mon café au bar? Si tu avais fait ça en patient diabétique, tu allais sans doute être poursuivi pour ce geste idiot. Je suis désolée, monsieur. Je ne savais pas que vous ne consommez pas de sucre. Ça ne se reproduira plus. Maintenant, écoute, la seule raison pour laquelle tu peux trouver du sucre dans mon bureau, c'est parce que les clients que je reçois ici, la plupart d'entre eux, consomment du sucre, mais je ne le fais pas. Que ce soit la dernière fois que tu mets du sucre dans mon café. Oui, monsieur. Tu peux t'en aller. Tu peux t'asseoir. Non, assieds-toi. Monsieur Fayoz, l'assistante personnelle, c'est quoi son nom encore? Mademoiselle Idara Thompson. Oui, celle-là. Demande au chauffeur de l'accompagner sur le champ. D'accord. C'est tout, monsieur? Oui, ce serait tout. Fayoz, détends-toi un peu, ok? Relax. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Waouh, c'est beau. Laisse-moi te montrer ma chambre. Tu vas l'adorer. Excusez-moi, monsieur. Monsieur, le chauffeur n'est plus avec moi. Et alors? Il n'y a personne de disponible en ce moment pour m'emmener au restaurant. Idara, tu as une voiture à toi toute seule. Pourquoi est-ce que tu veux qu'on t'accompagne? Ça, c'est parce que je ne sais pas conduire. Donc, je dois laisser ce que je suis en train de faire et conduire moi-même pour Calabar à Roma?
Simplement parce que tu as délibérément choisi de ne pas apprendre à conduire. Pourquoi est-ce que je t'ai embauché en premier lieu? En fait, mon ami voulait m'apprendre à conduire. Ton ami? Tu as eu un chauffeur à ta disposition pendant plus d'un mois. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas demandé? Parce que tu es cinglé. Voilà la vérité. Je suis désolée, monsieur. Tu n'as rien dans le cerveau. Maintenant, va là et cherche-moi à manger. Je m'en fous de comment tu vas le faire. Dégage. As-tu tout noté? Oui, monsieur. Il faut tout inclure. Tous les investissements, des villes et les présentations qui vont aussi augmenter notre visibilité publique. Les rédactions des panneaux d'affiches virtuelles et les publicités télévisées. L'appartement du Sénégal sera estimé à 1 800 000. Non, efface ça. 1 400 000. 1 400 000 dollars, c'est noté? Une minute, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Et ne manquons pas aussi d'examiner les risques, la valeur imposable et l'analyse de la croissance des matières. Bon sang. J'ai un problème avec le personnel des entreprises qui vient au travail miteux, surtout dans un environnement compétent comme le nôtre. Je suis désolé, monsieur, je ne vous comprends pas. Je n'aime pas tes chaussures. J'en ai d'autres qui sont meilleures. Je n'aime aucune d'entre elles. Mais ma mère, qui s'approche de la soixantaine et est retraitée, porte de meilleures chaussures que toi. Alors voici ce que tu vas faire. Tu iras au département des finances. Je vais y appeler pour approuver certains fonds. Prends cet argent. Va chez Chitiana. Tu peux prendre n'importe quel chauffeur. Ils connaissent l'endroit, ils peuvent t'y amener, ok? Achète-toi de belles chaussures de qualité. Choisis n'importe quel chauffeur de ton choix. Il t'amènera chez Tiana, ok? D'accord, monsieur. Et une autre chose. Tu dois continuer d'améliorer tes compétences de conduite. Tu ne pourras pas toujours avoir le chauffeur à ta disposition. Le plus tu es indépendante, le mieux ce sera pour nous. Oui, monsieur. Merci. Vas-y maintenant. Mademoiselle Lydia, tu n'as pas été très dégagée ces derniers jours. Est-ce que quelque chose ne va pas? Rien, monsieur. Ok. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit à quel point? À quel point tu es belle? Je veux dire, ce que j'essaye de dire est que tu devrais te comporter d'une manière qui ne me poussera pas à être. Et en fait, tu sais, je n'aime pas vraiment hurler sur ma belle assistante. Je vais bien, monsieur. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Excuse-moi. Allô, maman. Richard, Zoé a appelé. Et elle se plaint que tu décroches à peine ses appels. Et tu ne réponds pas à ses messages. Pourquoi est-ce que tu ne décroches pas ses appels et tu ne réponds pas à ses messages? Maman, c'est... Cette fille est belle. D'autres hommes ne devraient pas te l'arracher. Maman, attends. Je t'écoute.
Ok, alors, est-ce que Zoé t'a dit que je lui ai dit que je l'aimais? Ou que je vais lui faire ma demande? Est-ce qu'elle te l'a dit? Maman, écoute, c'est une nouvelle ère, maman. C'est une nouvelle génération. Finissons les jours où les mères épousent les femmes pour leurs fils. Ça n'arrive plus à cette époque. Richard, chaque année devient finalement une ancienne année. Je t'ai envoyé une photo de cette fille qui partait à la plage avec ses amis à Miami. Est-ce que tu as vu à quel point son corps rayonnait? Est-ce que tu as vu ses belles et longues jambes? Maman, pardonne-moi de te couper court. Un partenaire d'affaires vient d'entrer dans mon bureau. Et ce n'est pas très professionnel d'avoir cette conversation. Je te promets de te rappeler, maman, ok? Je te rappellerai, promis. Je t'aime, maman. Richard, pas encore. Ah! Ah! Mademoiselle Thierry. Oui, monsieur. Es-tu en train de rire? Je suis désolée, monsieur. Non, vas-y, c'est bon. Tu sais, ma mère en fait trop. Je comprends, monsieur. Toutes les mères sont comme ça. Crois-moi sur parole, ma mère est la pire de toutes. Si vous le dites. Ah, je te fais rire, je te fais sourire. Oui, je t'ai fait sourire. Et voilà, il dira que je veux voir dans ce bureau. Continue de sourire, de rire, parce que c'est ce que je veux. Merci, monsieur. S'il vous plaît, est-ce que je peux partir? Bien sûr, oui. Retourne au travail, ok? Madame Dupont, ma plus grosse fournisseuse. ok, je vais envoyer mon assistante pour voir si cela est réglé, ok? Merci. Idara, je veux que tu ailles chez Tiana. Il y a une certaine dame que tu vas amener à l'hôtel 4 étoiles. Maintenant, monsieur? Oui, s'il te plaît, maintenant. S'il te plaît, dépêche-toi, je vais organiser une réunion. Oh, d'accord, monsieur, merci. T'es l'assistante de Richard? Es-tu celle que je devais venir chercher? Oui, je t'en prie. Entre dans la voiture. Où? Siège avant. Pourquoi? Richie aime que je sois derrière. Fais-toi plaisir.
leur copine. Bébine quoi? Et tu viens de me demander pardon en ce moment où je te parle. Son assistante est en train de m'amener dans un hôtel 4 étoiles pour se faire pardonner. Je pourrais pousser ce mec comme une blague. Comme une blague. Ma puce, je suis tellement contente. Oui, je suis tellement contente. Ok, je te laisse te reposer. À plus. Bye bye. Mon Dieu. La porte est ouverte. Je sais que la porte est ouverte. Viens l'ouvrir pour moi. Je suis désolée, je ne peux pas faire ça. S'il te plaît, descends, je dois assister à des réunions. De toutes les façons, la raison pour laquelle je prends ça à la légère, c'est parce que c'est la première fois que je te vois. La prochaine fois que tu refais ça, fais-moi confiance, tu perdras ton travail. Allô, Idi. Comment va le travail? Ah, Richard a une copine? Ah, je suis vraiment désolée pour ça. Tu sais que t'es son assistante et la personne la plus proche de lui. Alors tu verras sûrement beaucoup de choses. D'accord, ma chère. Prends soin de toi, ok? Entrez. Joyeux anniversaire, monsieur. Merci. Je pensais à ce que je peux vous offrir comme cadeau, parce que je sais que vous avez déjà pratiquement tout. Eh bien, au contraire, je n'ai pas tout. Vous l'avez, monsieur. Joyeux anniversaire une fois de plus. Ce sont des boutons de manchette. Des boutons de manchette? J'aime bien les boutons de manchette. Tu es la première dame qui m'a offert un cadeau. Non, je viens de me souvenir que Tiana m'a offert un cadeau une fois, alors cela fait de toi la deuxième dame. Mais je l'aime de toute façon. C'est bien. Et ça représente beaucoup pour moi. Merci beaucoup. Je suis contente que vous les aimiez, monsieur. Bien sûr que je les aime. Alors, prépare-toi. Ce soir, toi et moi allons sortir. D'accord, monsieur. Joyeux anniversaire, monsieur. Je vous souhaite une longue vie prospère. Merci. Merci, monsieur Fayos. Tu me connais très bien, je ne célèbre pas souvent des anniversaires ou d'autres festivités. Mais, comme vous avez décidé d'apporter une nouvelle culture à l'entreprise,
de m'embarrasser chaque 5 minutes juste pour me souhaiter joyeux anniversaire. Qui suis-je pour ne pas montrer ma reconnaissance? Merci encore une fois de plus. J'apprécie vraiment. Alors, tu peux réunir tout le monde pour passer du bon temps. Prendre quelques rafraîchissements. Mais juste une heure. Parce que le travail continue toujours. Hein. Merci, monsieur. Ah, c'est tout. Merci, monsieur. Et aussi, merci de garder les choses en ordre ici. Surtout quand je ne suis pas là. Tu fais un bon travail. Merci, monsieur. Excusez-moi. Amen. Tu es béni par sa gloire. Amen. Tu épouseras une bonne femme. Tu donneras de beaux petits-fils. Amen, maman. Richard. Ouais, je vais te rappeler, donne-moi juste une seconde. Ok, je te rappelle aussitôt, ouais. Comment tu vas? Oui, je me porte bien. Et toi? Richard, ça fait un moment que tu m'évites maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Peux-tu me le dire, s'il te plaît? J'étais un peu... J'étais très occupé. Ce n'était pas mon intention de t'éviter. Occupé à faire quoi? Très occupé pour venir me voir et passer du bon temps avec mes copines. Hmm? Tu sais quoi? Je vais essayer de créer du temps et... je viendrai bientôt. Que veux-tu dire pas bientôt? Ça fait des semaines que tu dis ça. Que veux-tu dire pas bientôt, Richard? S'il te plaît, que se passe-t-il vraiment? Est-ce que tu peux me le dire, s'il te plaît? De toute façon... Je suis au chantier là, toute seule. Est-ce que tu peux venir là pour un coup vite fait? Je sais que ça va être dingue et que tu vas adorer chaque instant comme d'habitude. En fait, Tiana, il y a un temps dans la vie d'un homme où... Et laisse tomber les folies de jeunesse. J'ai beaucoup réfléchi et je crois... Qu'il est grand temps qu'on arrête tous ces comportements puérils. Hein? Oh, c'est à cause d'elle, n'est-ce pas? De qui est-ce que tu parles? Cette fille de bas étage avec qui tu te pavanes. Tiana, ne mêle pas Idara à ceci. Oh, elle a un nom. Intéressant. De toute façon, je vais la mêler à ceci. Parce qu'elle est la raison pour laquelle tu m'évites pendant tout ce temps. Richard, j'ai passé toutes ces années, 5 ans, à assouvir tes désirs sexuels. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Je n'ai personne d'autre. S'il te plaît. Richard, s'il te plaît, ne me fais pas ça. S'il te plaît. Richard, s'il te plaît. Est-ce que tu peux venir pour qu'on en parle? Thank you.